bonne fête de l'indépendance. Oh, depuis un certain temps, les autorités congolaises ont résolu de fêter justement ces grands moments de notre pays dans la méditation. C'est beaucoup plus important cette période où l'Est du Congo est déstabilisé par les voisins de notre pays. Alors, Norbert Yambayamba, vous avez suivi le président Kasavubu dans cette interview accordée à la presse belge. Sa vision pour les Congos et surtout les Belges qui étaient présents au Congo. Un commentaire. Merci beaucoup, Fabien. J'ai bien suivi le discours du président Kasavubu, mais je voudrais simplement dire en ce moment-ci que la collaboration entre les États est utile. Mais vous avez suivi quand Lumumba disait que, bon, maintenant, ce sont deux pays qui doivent traiter d'égal à égal. Aujourd'hui, c'est très clair, le Congo, c'est un système patrimonial. Le Congo, aujourd'hui, est au service des puissances d'argent. Et il ne faut pas se leurrer. Je sais qu'il y a une contribution de la communauté internationale qui est une dénomination anonyme, ça c'est évident. Mais bon, la collaboration, elle n'est pas du tout équitable. Il y en a ceux qui prennent les richesses, qui les exploitent au détriment de la majorité, ça c'est évident. Mais bon, à la différence de ce que pensait Lumumba, où beaucoup de choses ont été réalisées par les héritiers de la colonisation, qui ne sont pas très différents, parce que les 53 ans aujourd'hui que nous sommes en train de dire, n'ont pas amené simplement à une colonie, à une collaboration comme le souhaitait le président Kasavubu. Ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a eu des relais volontaires, des personnes qui étaient au service du puissant d'argent, mais qui bénéficiaient des dividendes pour se maintenir au pouvoir, s'enrichir au détriment de la grande majorité de la population. Donc, sincèrement, aujourd'hui, il faut noter que les quelques rares réalisations, en fait, sont réalisées avec le concours même de super même puissance d'argent. Vous allez voir que le Congo, nous disposons de grandes richesses. Quand je prends par exemple le système, l'agriculture par exemple, quand Lumumba laissait le pouvoir assassiné, il y avait 44% des recettes d'exportation en devise qui venaient dans ce secteur, bien précis. Il y avait plus de 169 sociétés agricoles, ça n'existait nulle part. Aujourd'hui, Lumumba laissait que le Congo avait une puissance forestière, bien entendu. Il y avait même des sociétés, il y en avait 180 sociétés forestières. Aujourd'hui, on est à 80, mais ça n'apporte que 0,1% dans le produit intérieur brut. Le Congo, qui était une grande puissance à l'époque, troisième pays intermédiaire, en tout cas, parmi les grandes nations, c'est même rang que le Canada. Au même rang que le Canada, l'Afrique du Sud. Un peu supérieur à l'Afrique du Sud. Un peu supérieur, bien entendu, mais le Canada est parmi les G8. L'Afrique du Sud fait partie des pays développés et le Congo est admis comme des pays pauvres, très endettés. Donc, on est dans cette situation. Lumumba a dit nous avons eu l'indépendance économique, il faut aller dans l'indépendance. L'indépendance politique. Il faut aller dans la direction de l'indépendance économique. Aujourd'hui, 43 ans après, est-ce que nous avons accédé réellement à l'indépendance économique du Congo? Comment pouvons-nous accéder à l'indépendance économique dès lors que nous n'avons pas des entreprises qui peuvent générer des grandes ressources pour notre pays? Regardez, vous avez un pays comme le Congo. Si je prends le panel de ceux qui y ont fait des études tout dernièrement dans les sites Katanga, c'est 48 minéraires et 12 n'existent nulle part au monde. Nous avons le coltan, 80% des réserves mondiales. Mais vous savez, regardez le budget 2013. Les députés le savent. 413 millions de dollars. C'est quoi ça? Ça ne représente rien. 413 millions de dollars. Des francs congolais ou des dollars? Non, 13 millions de dollars. En dollars. Donc, les prévisions pour générer des recettes qui peuvent aider le budget à avancer. Dans le secteur agricole, à peine qu'on a donné 23 millions. Comme, je me souviens beaucoup, 23 millions pour qu'on puisse faire le travail. Mais regardez dans nos milliers, la production, les routes,
ça pose problème. Donc, sincèrement, aujourd'hui, plus que jamais, il ne faudrait pas que les gens se disent « filière lumumbiste ». C'est bon d'être de filière lumumbiste, mais il faut faire la vision de Lumumba. Il faut sortir du logiciel qui consiste à donner l'impression qu'on a hérité Lumumba, mais on fait le contraire. Parce que lorsque vous regardez même les bâtiments publics, même une couche de peinture, on en trouve difficilement. Mais il y a des gens qui se construisent des immeubles à longueur de journée, etc. Lorsque Lumumba plaire pour que les enfants... Tout à l'heure, Roland disait que bon, l'éducation, oui, l'éducation a produit des millions de dollars, des millions de diplômés. Mais Roland, il faut se poser la question sur la valeur ajoutée, sur la plus-value, l'importance de ces différents diplômes dans la transformation de notre pays. Ça pose problème. Il me semble que si on produit des universitaires aujourd'hui, chaque année, il faut se poser la question sur leur valeur intrinsèque, leur capacité de transformer la République. Il me semble que ce côté-là, ça pose problème, non seulement en termes de leur absorption pour exercer les responsabilités, mais en termes de leur qualité dans la transformation de la République. Et ça, le gouvernement n'est même pas véritablement du moyen dans la perspective de booster le développement. Très bien, Roland Lumumba, parce qu'il s'adressait tout à l'heure à vous directement. Sur le plan économique, on n'a pas répondu justement aux attentes, à l'aspiration, à la vision de Lumumba. L'indépendance économique traîne-t-elle ou elle est déjà un acquis? L'indépendance économique, elle est inexistante. Il faut être sincère et parler. On va continuer depuis l'indépendance à nos jours, un scandale géologique, ainsi de suite et tout. On est le premier pays exportateur de diamants industriels au monde. On est ceci, on est cela. Mais si toute cette richesse, si elle ne concourt pas au bonheur du citoyen de là où cette richesse sort, donc, je suis peut-être simpliste, c'est un échec. Maintenant, on peut regarder les causes. Les causes, c'est Mobutu. Les causes, c'est l'oncle au village. Les causes, c'est je ne sais pas quoi. Mais quand vous me posez la question, s'il y a indépendance économique, je dis désolé, il n'y en a pas. Regardons les entreprises, les grandes entreprises de ce pays. La Inebra, Bralima, si je ne me trompe pas, les grandes parties des propriétaires sont des expatriés. Regardons les grandes sociétés un peu modernes, les cellulaires. Tous appartiennent aux étrangers. Mais la richesse, là, hein, l'indépendance économique, là, ça vient d'où? Hein, c'est, on le veut, hein, c'est une volonté. On a parlé aussi, j'ai dit, l'instruction, c'est parmi les choses positives. Mais la chose négative, comment on utilise cette instruction-là pour nous amener à cette indépendance? Question pertinente. Willy Makiachi. Vous avez suivi parmi les ratés en économie, eh bien l'économie même en RDC, c'est entre les mains des expatriés, même les boutiques sont tenues par des expatriés, et puis on importe les chinchards, alors que nos poissons meurent de vieillesse dans l'océan, dans les lacs, dans les fleuves, ainsi de suite, rivières. Et puis, tout ça, vous pensez que c'est toujours une bonne façon d'hériter la vision de Lumumba? Non, ça n'est pas du tout une bonne façon d'hériter de la vision de Lumumba. Comme mon aîné Yamba Yamba l'a dit, la filière et Lumumba doit être retracée. Lui, c'est ce que j'ai dit. Vous ne pouvez pas ici sur cette terre, dans n'importe quel domaine de la vie, ne pas faire référence à vos origines, d'où vous venez, avant de démontrer où vous allez. Ça, c'est bien. C'est oui, alors, mais maintenant, parce qu'il faut une référence. Mais par rapport à cette référence-là, lui-même, Kassavou Boudi, là-bas, qu'il y a des difficultés. Il énumère les difficultés de certains ordres et psychologiques et politiques. Mais le premier raté, parce que le raté économique est réel, il est réel, mais il part du raté politique. Parce qu'en amont, c'est le politique qui est l'organisateur, qui est détenteur de ses pouvoirs, organisateur de tous les autres domaines de la vie. Mais lorsqu'il y a eu les ratés politiques dont le président Kassavubu lui-même est tenu pour responsable de premier rang,
Et ces ratés politiques devaient donner lieu à quoi? Au raté économique, au raté social, au raté religieux. Dans quel domaine de la vie où est-ce qu'il n'y a pas prolifération des antivaleurs? Dans les domaines religieux, dans les, partout. Alors, les Congolais, en Afrique du Sud, lorsque l'Afrique du Sud accéda à sa souveraineté également, bien tard après les Congos, mais maintenant bien loin, plus avancé que les Congos, il y a eu même une loi que le Congrès sud-africain a votée. Je crois, si je ne me trompe pas, BEE ou quoi donc, Black Economic Employment, something like that, donc, quelque chose comme ça. Donc, où il est dit dans cette loi que tous les Noirs qui n'ont pas eu l'avantage de se retrouver dans les structures de gestion, aujourd'hui, aucune structure de gestion, aucune entreprise ne peut être créée en Afrique du Sud sans qu'on y trouve ceux qui étaient défavorisés. De sorte qu'on crée la richesse pour tout le monde, et ça c'est pour résoudre les problèmes économiques qui débouchent sur les problèmes sociaux donc, dont la justice distributive est tributaire. Mais il y a eu la zaïrianisation. Est-ce qu'il y a eu la zaïrianisation pour que les Congolais prennent en main les points de départ, les socles, les bases déjà jetées de cette économie? La zaïrianisation a-t-elle produit, a-t-elle amené a-t-elle donné des résultats positifs pour non, le Congo? Non, non, non. Par contre, en Afrique du Sud, on s'en est bien saisi et servi plus tôt. Mais ici, la zaïrianisation était un échec cuisant. Et ça, c'est quel problème? C'est le problème des mentalités qui est l'une des difficultés relevées par Kasavubu. C'est pourquoi le président Joseph Kabila martèle également là-dessus. Il parle de la refondation de l'homme congolais d'abord. Il faut commencer par refonder l'homme pour que l'homme refonde l'État. Lorsque vous avez des antivaleurs, la difficulté que nous... Lumumba a dit dans son discours que nous accédons à la souveraineté, maintenant nous entamons une autre lutte. Il n'a pas dit que nous accédons au paradis. Il dit, nous entamons une autre lutte. Mais cette lutte-là, voici les conditions requises pour y parvenir. Mais nous sommes dans le pétrin, justement, de mentalité. Donc, la première thérapie, c'est la refondation de l'homme congolais dont la refondation de l'État est tributaire. Très important. Professeur Chilombo Toussaint, Mouzé a dit, prenez-vous en charge. Plusieurs années après sa mort, donc depuis 2001, est-ce que nous nous prenons en charge quand nous laissons même le commerce en détail aux expatriés? Quand nous disons, bon Zambé, atel et l'abisso li kamboyo. Maman Olive, tel est l'ébisseur, le Cambodge, papa, tel est. Nous sommes attentistes. Est-ce que nous nous prenons en charge? Est-ce que nous prenons notre destin en main? Est-ce que nous nous approprions ce pays dont on vante trop les richesses, les avantages, ainsi de suite, nous-mêmes? Fabien, avant que je réponde directement à la question que vous venez de poser, je m'aimerais être à la suite de mes prédécesseurs, nous ramener encore à l'histoire. Il y a eu la tenue de la table ronde politique de Bruxelles, il fallait qu'au même moment qu'il y ait aussi la tenue de la table ronde économique. En droit, nous sommes plusieurs ici, juristes ou de formation juridique, nous disons, lorsque les prémices sont mauvaises, les conclusions les seront aussi. J'ai entendu tout à l'heure M. Norbert Yambayamba, il a cité un nombre de sociétés, hein, 169 pour une catégorie, 180 pour une autre. Un tableau très sombre. Oui. Pour le mais ces sociétés, qui étaient les détenteurs des capitaux? Les étrangers. Qui étaient les exploitants? Les étrangers. Ce qui explique le départ était déjà faussé. D'où la prise en charge et les discours de Lumumba que j'ai ralliés à notre hymne national. Et l'honorable Marcache vient de dire, le chef de l'État actuel, Joseph Kabila, demande qu'on puisse réformer l'homme congolais. Raison pour laquelle il faudra ce qu'on arrive à bien comprendre ce ministère de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Nous avons une crise de mentalité énorme, profonde, parce que le Congolais se plaît à se mettre à genoux devant l'étranger. Hier, j'ai suivi... On parlait de la nouvelle société des transports. Transco. Il y a commencé. Transco. Voilà. Dont on recrute déjà le personnel. À ma grande surprise, oui. 53 ans après, j'ai vu que la direction de l'entreprise est confiée à des étrangers. Mais c'est une question. Pour nous devons nous interpeller. Pour quelle raison? Nous devons nous interpeller. Et
Laurent l'a dit, Michel Tito tout à l'heure.